Bonjour à tous. Le marché parisien rebondit fortement à l'ouverture après deux séances de baisse. Et parmi les valeurs à suivre ce matin, Vivendi a annoncé prendre une participation de 30% dans Mars Film. C'est une maison de distribution et de production française. Et puis Neopost a fait état d'une contraction de sa marge opérationnelle courante au premier semestre et a confirmé ses objectifs financiers pour 2015. Et on s'arrête ce matin sur la Fnac qui a soumis à Darty une offre de rachat. Le groupe dirigé par Alexandre Bompard estime qu'un rapprochement des deux enseignes constitue une opportunité stratégique et financière majeure pour les deux groupes. Ensemble, ils seraient présents sur 7 marchés européens via 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'offre est libellée en titre, une action Fnac pour 39 Darty, ce qui valorise le Britannique 101 pence par action sur la base d'un cours de bourse de 53 euros pour la Fnac à la clôture du 29 septembre. Les capitaux propres de Darty seraient ainsi valorisés 719 millions d'euros. Fin de ce flash, je vous retrouve tout à l'heure à midi.